Nous sommes à Ifrane où il fait froid, même très froid. Citroën lance la troisième génération de la C4, un crossover au design unique et au confort inégalé, comme nous allons le voir ensemble. Et pour parler de la nouvelle C4, nous avons fait appel à Mehdi Ouled Ben Issa, responsable marketing de Citroën Maroc, qui va aborder les nouveautés de cette nouvelle mouture, mais aussi ses points forts. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle C4 vient avec une offre de valeur qui est extrêmement différente par rapport aux anciennes générations. Cette offre de valeur, elle passe d'abord par le design qui est très unique, avec notamment cette face avant à deux niveaux qui est inspirée du concept car C-Experience. Nous avons aussi ce capot qui est extrêmement massif avec des creux sur le capot qui nous rappelle l'univers du monde SUV. Côté arrière, ce qui est marquant pour cette nouvelle C4, c'est indéniablement ces feux à l'arrière avec cet enchevêtrement très sophistiqué sous forme d'Y avec des feux à LED qui sont disponibles de série. Nous avons aussi le becquet arrière donc qui permet de rajouter un peu de dynamisme à la carrosserie. Côté intérieur, ce qu'on remarque c'est cette planche de bord à l'horizontale. Nous avons aussi ce volant là, c'est le dernier volant de la marque Citroën avec le régulateur, la commande des régulateurs vitesse qui est désormais intégrée au niveau du volant et pas derrière le volant comme les anciennes générations, donc ce qui permet de faciliter son usage au client. Nous avons l'écran tactile qui fait 10 pouces qui est disponible de série sur toute la gamme et donc dès l'entrée de gamme vous pouvez bénéficier du plein de la technologie. À côté également du combiné 5,5 pouces qui lui aussi est disponible de série sur toute la gamme. Nous avons cette nouvelle commande de boîte à vitesse en métal guilloché, la toute dernière du constructeur Stellantis, et la C4 est le premier modèle qui est doté de cette nouvelle commande de vitesse. En plus de ça, nous avons les sièges Citroën Advanced Comfort qui permettent d'offrir un confort d'accueil qui est absolu. En plus de ça, nous avons sur nouvelle C4 la suspension à butée hydraulique progressive, donc qui est une suspension extrêmement confortable et donc qui permet d'amortir les imperfections et les chocs de façon assez exceptionnelle. Même si la Citroën C4 a été lancée sur le marché marocain en août 2020, sa présentation à la presse a dû attendre le début de l'année 2021. La faute au manque du stock causé par la crise des composants électroniques qui a forcé Sopriam à décaler la conférence de lancement du véhicule. Néanmoins, la nouvelle venue dont le prix démarre à 209 910 dirhams s'est bien comportée sur le marché, comme nous l'explique Hind Elioussi Tiazi. C'est un modèle qui a toutes les caractéristiques d'une berline compacte familiale, notamment grâce à son large habitacle. Il a les attraits d'un SUV parce qu'il a une garde au sol qui est plus élevée que la moyenne du segment de la berline compacte. Et ceci lui permet de se positionner entre les deux segments et de drainer une clientèle qui est intéressée et par la berline compacte et par le SUV urbain. Et c'est un succès mondial, et particulièrement au Maroc, c'est un véhicule qui a rencontré un large attrait de la part de notre clientèle, parce que nous sommes classés 5e depuis le lancement en août, nous sommes classés 5e sur le segment de la berline compacte, avec 14% de part de segment, et sur le mois de décembre, nous sommes passés à la première position avec 25% de part de segment. Et c'est un record pour la marque Citroën en termes de part de segment sur la catégorie de la berline compacte. La Citroën C4 est disponible au Maroc en deux motorisations diesel, toutes les deux 1,5 litres Blue HDI. La première de 110 chevaux et 250 Nm de couple, l'autre de 131 chevaux et 300 Nm de couple en boîte auto ou manuelle. À l'international, la nouvelle venue se décline également en version 100% électrique sous la dénomination de iC4. Doit-on s'attendre à son introduction cette année au Maroc? Effectivement, la C4 est disponible également en électrique, mais nous avons fait le choix au Maroc de rester uniquement sur une gamme diesel, parce que le marché déjà, à 90%, c'est un marché diesel, et aussi, il n'y a pas une infrastructure au niveau du Maroc qui permet de lancer un modèle purement électrique.
Comme nous avons pu le voir, la Citroën C4 de 3e génération a tout pour plaire. Son design unique, sa dotation technologique, son habitabilité et son confort inégalé dans le segment font d'elle une proposition de choix au sein des B-SUV. Et avant de se quitter, rappelons que vous pouvez également voir ou revoir notre essai détaillé de la Citroën C4 en cliquant sur le lien disponible dans la description de la vidéo. À très vite sur wanderloo.com.